Vous regardez RTL. RTL Matin, les inattendus de Cyprien Signy. À 7h57. Christophe Castaner était avec François Bayrou en meeting commun pour l'Europe à la frontière franco-espagnole à Irún ce week-end. Et visiblement, la journée avait été rude, à en croire François Bayrou. Ça a été un peu long l'après-midi, un peu, comment dirais-je, sportif, rock'n'roll. Mais votre supplice touche à sa fin. Oui, alors ça c'est pas certain puisqu'il restait encore son discours et celui de Christophe Castaner. Mais alors, François Bayrou était tout de même ravi de cette petite journée. Je suis très content que Christophe Castaner soit là, qu'il découvre la vitalité du Pays Basque, des Béarnais. Et surtout, il lui a montré qui c'était le patron dans les Pyrénées-Atlantiques. Car il a beau avoir été accueilli sur scène comme ça, Christophe Castaner. Cette tâche sera dévolue à un invité très spécial. On peut penser à James Bond. Non, ce n'est pas James Bond. Non, c'est pas James Bond, c'est Christophe Castaner qui a pris une leçon d'humilité au Pays Basque. Écoutez. Cher François, je voudrais quand même te dire qu'il n'était pas nécessaire à midi dans le restaurant qui nous a rassemblés de prévoir 80 personnes à l'accueil qui étaient toutes du Béarn. J'ai déjà pratiqué la balade dans les rues et c'est un vrai choc pour mon ego médiatique où tout le monde dit « C'est qui le mec à côté de Bayrou ?» Bon. Alors que ce matin, j'étais tranquille sur le marché de Bayonne. J'étais tout seul, il y avait bien une ou deux personnes qui m'ont reconnu. Oui. On est peu de choses, hein. Mais même chez lui, François Bayrou n'a pas trop intérêt à faire le malin. Maintenant, je vous invite, surtout Monsieur Bayrou, j'espère que vous écoutez bien, au lieu de regarder votre téléphone, parce que ça se passe chez vous, là. Et comme le disait Freud, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Ah non, il ne se laisse pas faire, hein, là-bas. Ouais. Ça rigole pas. C'était Cyprien Signy.